Le féminisme. Le féminisme, c'est être contre le contrôle du corps et de la vie des femmes. C'est être contre la discrimination subie par les femmes. Et aujourd'hui, encore davantage, chez les femmes de couleur, les femmes noires, les femmes musulmanes, et chez moi, les femmes autochtones. C'est être pour l'égalité et pour la parité. Et pour ça, je pense qu'il faut que les hommes et les femmes soient tout d'abord conscients de ces injustices-là qui sont portées aux femmes. Il faut ensuite militer, bien sûr, et il faut préserver les acquis, parce qu'il y en a eu des acquis. Mais pour ça, il faut des femmes au pouvoir, il faut des femmes convaincues de l'importance des droits des femmes. Il faut, mais je crois surtout qu'il faut que ce soit un mouvement collectif. Je pense que le féminisme doit être le travail d'un résultat collectif. C'est ce qui a fait la force de l'être humain depuis la naissance de la civilisation, c'est son pouvoir collectif. Tout le monde doit avancer sur ce chemin, sur le chemin qu'il nous reste à faire. Il ne faut pas voir tout noir, parce que je pense que ça enlève l'énergie, ça bloque, ça empêche d'avancer. MeToo, je pense, est un mouvement sombre, mais nécessaire, qui va nous permettre d'avancer. Si on regarde avec un peu de recul, il y a eu du progrès. Je pense à une anecdote de ma mère. En 1946, elle s'est mariée avec mon père en 1946. Et quand elle s'est présentée à la préparation au mariage, le prêtre lui a lu ce qu'il allait lui lire à l'église. Et dans son texte, il dit « Vous devrez obéissance à votre mari. » Ma mère a levé la main et a dit « Je suis désolée, mais si vous lisez ça, moi je sors l'église. » Qui était énorme à l'époque. On s'entend, en 1946, on ne disait pas quoi dire aux prêtres à ce moment-là. Alors, quand je parle de collectif, je parle aussi de ça. Je parle aussi des mères, du rôle important que jouent les mères auprès de leurs filles autant que de leurs garçons. Moi, cette petite graine, moi, ces propos-là que j'ai entendus, c'était comme des petites graines féministes qui ont été dans mon cerveau et que j'ai grandi avec ça. Alors, le collectif, c'est ça. C'est, selon moi, la façon de s'en sortir. Pour arriver à l'égalité, il faut qu'on doit tous participer à la solution. Donc, je vais conclure avec un couplet d'une chanson des Beatles, la chanson « We Can Work It Out ».« Try to see it my way. Only time will tell if I'm right or I'm wrong. While you see it your way, there's a chance that we may fall apart before too long. »